Noumane, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi. Salut Bilout, c'est Noumane. On se retrouve pour la... Bah, j'avais voulu vous faire la suite au final de la compétition que j'avais commencé la dernière fois sur ma vidéo, avec cette superbe victoire 6-3. Donc je pense qu'on va la continuer. Je pense que c'était... compétition... nanani nanana. Je crois que c'est celle-là. Donc on va la recommencer. L'équipe, c'est à peu près la même, à part que vu qu'il y a eu des petites baisses de fatigue, j'ai fait rentrer, Maurice Bellet en milieu droit alors qu'il y est milieu gauche, histoire de faire reposer un peu les titulaires, et mes deux attaquants ont changé. Il s'agit de Gouffran et de Kevin Gamero, sinon pour le reste c'est exactement la même équipe. Mais je me suis dit, vu qu'on avait commencé, je viens de voir que j'ai vendu un petit joueur, vu que j'ai récupéré 1000 crédits, c'est toujours ça, de prix, en ces temps de crise. On va continuer jusqu'à l'élimination ou peut-être la victoire, on verra bien. Donc voilà, je crois que c'était ça. Toutitotototat. Coupe gold en cours. Allez, zou. Sur qui va-t-on tomber? Est-ce que ça va être une énorme équipe ou pas? Votre équipe peut disputer le match, ça tombe bien. Allez, feu! On va bien voir ce que ça donne. On va essayer de donner le maximum, vous savez, hein, comme d'habitude. Allez. Bonus compétition, 2000 crédits, tu as un beau maillot. Si je joue en rouge, ça va te faire chier. Donc je vais choisir le maillot bleu. Je le sens bizarre. Je sais pas, il y a des matchs qu'on sent comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme joueur connu? C'est l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, je pense. Et le reste... oula, c'est un fanatique de l'Allemagne, je pense. J'ai l'impression qu'il y a joué pas mal de joueurs. Il y a deux attaquants qui jouent, je crois que c'est... Alors si je me trompe, hein, normalement c'est le Werder de Brême, je crois. Ce logo-là. On va bien voir. Toujours est-il qu'à mon avis, il va y avoir de la grosse frappe. Alors on m'a conseillé de frapper de loin. Enfin de plus loin que d'habitude. Olic, ah oui, Ivica Olic, forcément. Et ça risque de frapper. Et aussi d'arrêter de gueuler comme un puto quand je marquais un but. Alors moi je veux bien, mais dans l'action... Je vais pas dire que c'est plus moi qui joue, mais c'est pas moi qui gueule. Enfin oui, voilà, si je gueule, c'est vraiment parce que je peux pas faire autrement. Enfin, si, je peux faire autrement, mais ça vient comme ça, voilà. Allez, on va essayer d'arrêter de raconter sa vie, et on va se mettre à jouer au football. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Oh, je sais pas si vous avez vu, mais deux défenseurs qui se sont télescopés tels deux gros navets. Voilà, ça c'est l'histoire de chauffer le gardien. Forcément, mon chien qui n'a pas bougé depuis 6 heures, il faut qu'elle fasse bien claquer. Allez, va petit. Voilà, voilà, voilà. Allez, Kevin. Kevin, je connaissais pas. Et Kevin est pas dégueu du tout. Kevin n'est pas dégueu du tout. Oh là 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 là. Il y a un jeu là-dessus. Ouah, c'est tiré par les cheveux, c'est tiré par les cheveux. Les supporters ont failli crier au scandale. Oh, ça, mon chien commence à s'énerver. Donc, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui mâche son os. Parce que mon chien, quand il est énervé, mâche son os. Ouf, superbe Socratis. Socratis, c'est le pendant grec de Socrates ou quoi? Le fameux joueur brésilien, le frère de... Alors lui, c'était le frère de Ronaldinho, je crois. Non, de Rai, voilà, le grand frère de Rai. Je crois qu'il est mort, d'ailleurs, en plus. Pour ceux qui connaissent, ça me rappelle la Coupe du Monde 86 au Mexique. Allez, va, Kevin. Marvin, pardon. Tout le monde se termine en in. Oh, toi, je t'ai vu là-bas. Voilà, on va écarter un peu. C'est toujours bien d'écarter. On demande le ballon, on le récupère, voilà. Oh, oh, rends-moi le ballon, rends-moi le ballon, rends-moi le ballon, et il frappe au lieu de faire n'importe quoi. Allez, le truc c'est de pas le laisser prendre confiance. Toujours bien défendre sur les externes. Ivica Olic qui va essayer de revenir dans l'axe. Coup, c'est... Ouf. Allez, je pense que le ballon est parti. Non, ça sera... Vu sa tête, ce sera pas coup, ce sera plus con. Parce que ça a l'air d'être un coréen... japonais, je ne sais pas exactement. Allez, la relance, c'est là qu'on est fort, c'est là, on sait c'est qui domine. Voilà. Voilà. Allez, fais parler la vitesse, voilà. Oh, je pensais que ça allait frapper là. Ah là, je pensais qu'il allait avoir de la volée, la petite volée. Histoire de calmer tout le monde, il y a moyen, là il y a moyen pour l'instant. On n'est pas trop débordé, mais bon, faut faire attention quand même, parce que quand on dit ça, généralement, c'est là où on nous plante. Rafinha. Rafinha, où est-ce qu'il jouait ce petit gazier? Allez,
On va essayer de l'empêcher de centrer parce que forcément les ballons en l'air, c'est là où je me prends toujours mes buts. Mais c'est phénoménal de se prendre toujours des buts comme ça à longueur de temps sur les coups de pied arrêtés. Ou les centres, là je ne peux pas défendre, c'est hallucinant, c'est toujours pareil, à chaque fois qu'il y a un centre ou un corner, c'est mieux qu'un penalty pour les gens quoi. Bon, allez, première occasion, elle termine au fond de mes buts, bien joué Lulu, on va essayer de pas se laisser abattre. Allez, va, ça s'appelle l'avantage monsieur l'arbitre. Ah là, ça siffle alors qu'il avait pas lieu de siffler. Allez Maxime, on perce, il n'y a pas eu d'appel mais il lui donne quand même, c'est n'importe quoi. Voilà, alors j'abuse carrément trop de la passe en profondeur. Faudrait que je me mette à faire des passes normales. Oh là 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 là, ça joue pas à grand chose, hein. C'est le genre de match qui va me frustrer parce que il y a moyen carrément. Voilà. Il y a moyen carrément et au final ça va être l'enfilade. Allez, on se laisse pas abattre. Ça me déçoit un petit peu quand même d'avoir pris ce but là sur la pauvre action qu'il a eu le gars. Allez, il va pas centrer parce que forcément ça va être but. Oh là là, quelle horreur pour défendre les. À chaque fois que je vois le ballon qui s'élève sur corner ou sur centre, c'est le stress le plus total quoi. Alors on m'a dit oui, il faut que tu appuies 2 secondes. C'est ce que je fais, je pense. Hein, mais... Ah ouais, bien sûr, t'as raison. Alors le gars. Ah oh, putain, il défend bien, je fais du brin. Là, les mecs, ils font des appels, ça met 10 minutes à partir, quoi. Je veux bien, mais... Allez, c'est là qu'il faut être fort, là. C'est là qu'il faut arrêter de perdre le ballon, et c'est tout le temps là que je le perds. Hein. Il y a un bon milieu de terrain. Ah, peut-être une top ou un trou dans le terrain, je ne sais pas. Toujours est-il que le ballon passe forcément en touche. Excusez-moi si je suis pas trop bavard, c'est que je suis concentré parce que ça m'énerve un chouïa quand même d'avoir pris ce but là. Allez Sako, c'est quoi là, c'est ça, c'est aux autogaris là monsieur l'arbitre, qu'est-ce qui s'est passé là, il y a eu pont, coca, tout ce que vous voulez, il y a eu faute là. Oh. Ah là là, ce match sent la frustration la plus totale. Allez Maurice, fais parler la vitesse. Voilà, bien joué. Le petit crochet juste pour se remettre, hein, mais le problème c'est que là j'avais frappé un petit peu avant, du coup. Et ben la frappe était pas terrible. Oui, bien sûr, allez va. Bon, ça va lui. Oh là 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 là, pour une fois je la fais pas en profondeur. Pour une fois que je la fais pas en profondeur, arrête, il faut que j'arrête de repiquer à chaque fois dans le même sens quoi, le gars il. Bien sûr qu'il connaît, superbe. Allez, ça c'est pour mon gardien. Voilà. 38ème minute, on va essayer de repartir. Hein. On se laisse pas abattre. Match de Bushy, le ballon qui sort. Ça sent quand même, hein, ça sent quand même la belle enfilade. Mais bon, vous savez. Le principal au foot, c'est de pas mener à la 10ème. Le principal, c'est d'être devant à la 90ème. Et tant qu'il reste de la minute, il reste de l'espoir. Voilà, on va commencer à se prendre. Voilà. Ça va. Quand le mec commence à prendre confiance là. Mais je t'ai vu, mais je fais de la merde. Et donc le mec, oui voilà, s'il y a peut-être pas petite obstruction, non. Oh superbe. Non, tout va mal les gars. Tout va mal. Tout va mal, il faudra donner un petit coup de je sais pas quoi, mais il faudra en donner un petit coup quand même. Oh, il bouffe, il fait des appels, mais il fait pas d'appel, pourquoi le gars il lui met la balle quoi. Il fait pas d'appel, il est super statique, Putain, c'est à chaque fois nous de devoir de faire l'appel. Ah, il défend bien, j'ai trouvé un mec qui est aussi chiant à jouer que moi quoi. Et quand vous tombez sur votre pendant... Allez, va petit, la frappe de loin. Oh, le potal. Oh là 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 là. Je me suis tué parce que l'action était belle. Oh là là, mais le mec, il a une chatte monstrueuse, quoi. Oh mon gars, t'as une sacrée... Ah, c'est la mi-temps. Bon,
Je vous dirai ce que vous en pensez, mais je pense quand même que ça méritait plus une petite, un petit un partout au moins. Parce que je pense qu'il n'y avait qu'une frappe en plus, Lulu Castagnette. Non, bon, c'est ça, c'est les miracles de FIFA. J'ai l'impression qu'il a frappé une fois, il a frappé 6 fois, donc 2 fois plus que moi. Ouais. C'est pas ce qu'il m'a semblé voir, mais bon. Allez, en espérant qu'il commence pas à faire comme à chaque fois, c'est-à-dire, voilà, enfin, le mec, il gagne à la mi-temps, du coup, c'est le roi de la... Le roi du geste technique. Mais bizarrement, quand il y a 0-0, il fait pas toutes ces conneries, là. Et voilà, tiens, dans ton cul, Lulu, excusez-moi d'expression. Eh ouais, il faut arrêter de jouer aussi, hein. Les gars, ça y est, c'est la mi-temps, ils mènent à 0, du coup, ils se permettent de faire tous leurs petits gestes à mormoil chou, là. Non. Football, c'est l'efficacité. On verra plus tard pour les gestes techniques. Quand on sera en train de soulever la coupe. Allez, donne-moi ton ballon. Excuse-moi, j'ai quelque chose de mieux à faire que de tricoter. Ah, une petite égalisation qui fait bien plaisir quand même. Alors, ma grande spécialité aussi après, c'est de me prendre le fameux but directement derrière. Allez, c'est parti, c'est parti. On va essayer de piquer dans l'axe. Tu vois l'appel là-bas. Il lui donne. Allez, continue, Kevin. Kevin, la pointe de vitesse. Kevin. Oh, Stegenbourg qui a failli être surpris, par son défenseur qui relance directement sur le côté gauche avec un go. Hugo qui essaye de retrouver avec Janssen, de combiner, ça part sur le côté gauche. Helms qui va essayer d'avancer. Oh là là, la passe est belle pour Ivica Olic. Ivica Olic, ouh, qui aurait pu tirer tout seul, mais il a filé à con. C'est le cousin coréen d'Homer Simpson. Ou alors là, j'ai eu chaud à main cul, comme on dit. Hein. Ouf, ah là oui. Autant les autres actions étaient pour moi, autant celle-là, elle a failli me faire très très mal. Joli taxe. Ah ouais, il est aussi chiant que moi à jouer, je confirme. Ah, il fait comme moi, il défend en reculant. Un truc à pas faire en vrai, mais qui est très pratique dans cet opus. Il défend bien l'animal. Hein. Je pense que ça va jouer à pas grand chose. Ah, hein. Il a un mort de faim, quoi. Le mec, il lâche rien, il lâche aucun ballon là. Ne t'inquiète pas, moi non plus. Comme ça, on est deux. Ça va être une bagarre de milieu de terrain. Oh la vache, c'est le festival de la passe interceptée, quoi. Oh oui, en parlant de passe interceptée, je suis pas réaliste, il va falloir que je fasse des petits changements là. Ah, je suis pas réaliste. Allez, c'est bon, hop, on va changer de défenseur, histoire de lui couper la chic, voilà. Voilà, excusez-moi, en pleine action, mais j'avais besoin, je pense qu'il y a quelques joueurs qui doivent tirer la langue. Par exemple, Bakary Sakho, milieu gauche. Il va falloir que je lui remette un petit peu de peps. Johan Gouffran, si on pouvait mettre quelqu'un d'autre. Steve Anthony Mounier, ce serait pas mal. Et Rudy Cabella à la place de Marvin Martin. Voilà! Ça peut être pas mal. Tu l'as vu, Lulu Castagnette. Oh, le mec, il est. T'as l'impression qu'il connaît mes déplacements à l'avance, quoi. Oh! Ah, je sais pas si vous le percevez à l'écran, mais on a vraiment des styles de jeu identiques, c'est-à-dire que on n'est pas les rois de la technique, mais par contre au niveau interception et coupage de passe, on est pas mal. Donc comme on a toujours tous les deux le même style de jeu, ça fait pas des... Enfin si, ça fait un bon match, mais indécis, on va dire. Allez, et quand c'est indécis, qui c'est qui gagne? C'est Noobman. Oh, quand les joueurs auront compris qu'en tirant, ça va plus, c'est plus facile pour marquer des buts. Allez, va. Oh, il faut que je tire de loin. Je tire pas assez de loin. Ah, je crois qu'il y a un joueur qui s'est fait croquer la cheville. Bien sûr, c'est pas moi qui, avec mon fair play habituel, qui va le sortir. Anthony Mounier. Ah, la petite corner. Alors, si je marque un but de la tête, c'est qu'il va bientôt neiger. Oh! Kaolic, mais il est pas censé avoir 57 ans lui maintenant. C'est un bout de temps quand même qu'il claque des buts là. Il a pu être censé avoir une aussi bonne accélération qu'il y a quelques années. Oh, la frappe est belle, voilà, bien joué. Oh, la frappe derrière, la deuxième est un peu moins belle. Elle était contrée surtout. Ah, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je vais aller faire avec mon Kevin Gamero? Ouh, Costil!
Ah, je sais pas si... Ah, je souffre, hein. Je souffre sur les corners, vin de Dieu, allez, vas-y. Oh, quelle horreur, c'est... Allez, Maurice. Allez, Maurice. Ma femme s'appelle Maurice, mon joueur s'appelle Maurice Bellet. On n'y arrive pas. Bah oui, non mais moi aussi. Hop. Moi aussi je joue comme toi, garçon. Tu as trouvé quelqu'un d'aussi chiant que toi à jouer. Ah. C'est une bataille de tous les instants. Hein. Chaque ballon est. C'est une véritable bataille. Alors je sais pas, je suppose que c'est une coupe, il doit y avoir des prolongations du coup. Mais bon, ce serait pas mal de marquer avant. Oh bah toi t'as intérêt à lâcher vite ton ballon parce que... Oh je souffre. Ouf. Ah la frustration de ne pas pouvoir passer ce milieu de terrain là. Allez va. C'est superbe, mais va, fais une tête, je peux pas faire de tête, mais je suis un... je suis énorme frustration dans le fait que je puisse pas faire de tête, donc autant dire qu'à chaque corner... Oh, le tacle magnifique, ça c'est du geste défensif, alors messieurs, vous regarderez ça, celui-là, il était au bon moment. Allez, allez, oh... Allez, c'est parti. Ouf. Si c'est maintenant qu'il faut marquer un but de la tête, c'est maintenant. Ah, c'était Kellenburg qui se détend avec ses grandes papates, là. Oh, ça, ça pue le brin, ça. Oh, oui, ça pue le brin. Voilà, heureusement, généralement. Alors ça, dans le FIFA 10, c'était automatiquement but, parce que le défenseur se faisait défoncer. Pour une fois que je fais une tête. Ouf, quoique. Allez, Anthony. Voilà, bien joué, bien battu, c'est bien petit. Fier de toi. Oh si je marquais de la tête, ça aurait été énorme. Si je marquais de la tête, ça aurait été énorme. Allez, c'en est fini. On va aller droit aux prolongations. Ouh. Ah, je souffre, hein. Mentalement, je souffre. Là, le truc, c'est qu'il faudrait marquer tout de suite. Mais pour marquer tout de suite, il faut frapper de loin. Allez! Allez! Yes! Wouhouhou! Kevin Gamero! Il fait du bien celui-là. Il fait du bien, on a réussi quand même un petit enchaînement de papas. Alors là, c'est pour une fois que je ne l'ai pas mis en profondeur. Il fait franchement du bien celui-là. Allez, maintenant on va serrer les dents pendant 25 minutes. Alors si tu veux garder le ballon pendant ton moitié de terrain pendant une demi-heure, ça m'arrange. Voilà. Voilà. Allez Amouma. Allez. Allez, faut tenir, hein, faut tenir. C'est une coupe, c'est une qualification. Une qualification au bout. Mangala qui gère. Voilà. La petite fin qui fait. Passe crème, tu m'as vu Lulu là-bas, voilà. C'est pas grave, ça c'est pas grave. Tant qu'il récupère à cette distance-là, on risque pas grand-chose. On va probablement plus le laisser passer. Allez, au marquage. Voilà, bien joué Mangala, bien joué. La défense qui continue à assurer. Wow, il était passé devant. Ouf. Allez Maurice. Allez, c'est là où que ça se passe, c'est là où que ça a l'air de se découvrir. Oh, la bonne frappe là, bien tendue d'Anthony Mounier. Oh, était bien, pourtant il est pas. Il était sur son bon pied, la frappe est bien partie. Mais le gardien, c'est pas non plus le premier venu.
Allez, Rudy. Voilà. Maxime, Maxime qui passe en force, qui lâche pas le ballon. Allez. Là, ça peut être dangereux pour lui. Ça peut être dangereux pour lui s'il arrive à me passer. Mais il arrivera pas à me passer si, avec un peu de chance, il passe sur Ems. Attention. Oh là 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 là. Heureusement qu'il l'a pas vu là-bas. Heureusement qu'il l'a pas vu là-bas. Ça se passait de l'autre côté. Voilà, bien joué, petit. Bien joué. Allez, 104ème minute. C'est parti pour la contre-attaque. La contre-attaque, c'est parti. Oh là 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 là, mais c'est pas du tout à lui qu'il faut la donner, garçon. C'est à Kevin, là. Oh, il y a Gamero qui est tout seul. Enfin, qui est tout seul, qui est en train de faire un appel et il donne sur le mauvais. Bon, allez, c'est pas grave. Oui, je m'applaudis parce que personne n'est dans mon salon, à part mon chien qui mâche son os. Donc, personne n'est là pour me m'encourager. Je ne comprends pas s'il égalise la séance des penalty. Ça va donner quelque chose, vu que je suis une vraie quiche en pénalty. Ah, il aime bien tripoter un peu le ballon avant de lancer les offensives, là. Ce qui n'est pas plus con, parce que généralement... Généralement, c'est vrai que bah, sur l'engagement, c'est pas trop quoi faire. Oh là 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 là, je l'ai vu, c'est superbe. Allez, allez. Oh, il y a pénalty. Mais oh la vache, mais qu'est-ce qu'il a cet arbitre, il a avalé son sifflet quoi. Ah là, il a avalé son sifflet, vous allez pas me dire qu'il n'y a pas pénalty. Je passe le gardien, je fais une espèce de petite frappe là pour assurer le but. On me refuse. Oh non, mais s'il marque là-dessus en plus. Oh joli. Extérieur, pied gauche. Ah, je suis quand même déçu là. Bon, pour moi, il y avait un petit quelque chose. Petite tête. Ça reporte un petit peu le ballon de son côté. Essayer de passer à gauche. Ah, mais j'arrive à... Oh là 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 là, Frostil qui avait bien jugé. Alors il y a des petits blancs dans mes commentaires, hein, c'est parce qu'à chaque fois je souffre. Oh bah oui, il y a charge là-haut. C'est de l'apnée là. On connaissait l'apnée du sommeil, il y aura l'apnée de FIFA. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh, les joueurs n'en peuvent plus, c'est bon, faut qu'ils arrêtent. Les joueurs sont en train de craquer. Allez, allez. Faut lui faire mal là. Forcément. Ah oh, mais c'est dingue, mais comment il est aimanté par mes. Comment il est aimanté par mon joueur. Pff, celui-là aussi il était pas mal. Ouf. Allez, va, c'est le moment. Allez Kevin, tu te bats. 120ème minute. Hop, on m'a dit de frapper. On m'a dit de frapper. On va centrer plutôt. Siffle l'arbitre, siffle, mais t'as avalé ton sifflet ou quoi? Wouh. Allez, qualification. Bon écoutez, je pense qu'on va s'en refaire hein, jusqu'à la fin de la coupe. Hein, si on est qualifié jusqu'à la fin. On va faire des petites vidéos sympas. On va suivre Costil, hein, mon meilleur joueur. Et Kevin. On a eu chaud. Franchement, on a eu chaud. Là, c'était tendu. Hein. Je vous dis, des fois, vous tombez sur des gars qui vont jouer carrément mieux que vous. Vous tombez des fois sur des gars qui vont jouer moins bien que vous. Et là, je suis tombé sur un gars qui jouait exactement pareil, qui avait le même niveau et qui jouait de la même manière. Donc, c'était bien tendu. Beaucoup plus serré que le dernier match. Et pas mal intéressant, je trouve. Allez, vous me direz ce que vous en pensez. Les stats finales, on voit que j'ai quand même bien mangé. J'ai quand même bien mangé à tous les niveaux. Je repense à mon tacle que j'ai fait là, je pense que si là il marquait ça a changé pas mal de choses, mais heureusement j'avais réussi ce beau petit tacle. Voilà, bon bah écoutez, on se reverra pour la, je sais pas si c'est la demi, je vais regarder. Non, c'est pas, ça paraît beaucoup donc quand même d'être déjà en demi, ou alors c'est l'écart, je ne sais plus. On va voir ça et après je vais vous laisser. Nanani nanana, ah si, qualification pour la demi-finale. Bah écoutez, on se revoit pour la demi-finale et d'ici là, portez-vous bien, ciao.